C'est maintenant, c'est pas demain. C'est pas après-demain, c'est maintenant qu'il faut le faire pour rejoindre la demi-finale, les amis. Et c'est parti avec cet engagement qui va aller instantanément dans notre corps. Attention à Ryze qui veut y aller tout seul. Ils veulent nous mettre de la pression, bien évidemment, dès l'entame de cette game. Zen qui repart dans l'axe, il est bloqué, c'est suivi de très près par Radosinho, mais il y a le contre de Vatira. Alpha le turn, ça passe pas, Zen peut-être une nouvelle tentative, il envoie cette balle dans l'axe, et attention, la première démolition déjà de la Carmine, on le sait, voilà, avec la réponse instantanément, Zen qui vient démolir Ryze, c'est ce qu'il nous faut, il va falloir répondre, parce que vous voyez, regardez, ça enchaîne les démos, hein. Ça vient déjà les chercher, on le sait, ça fait partie de leur style de jeu. Les amis, le son il sera comme ça, c'est une watch party. Tout le monde est en watch party aujourd'hui. Il y a les commentateurs par-dessus, donc on peut pas mettre le son trop fort. Allez, Zen qui vient bloquer cette balle. Vatira sur le côté. Le pinch, c'est bien. Est-ce que Zen peut aller chercher une lecture, peut-être une démolition? Et voilà, une démo dans la rota qui va nous coûter le premier but, les amis, on le sait. Ils ne font que ça, des démolitions, et ça nous coûte cher, 1-0 pour la Carmine. Il va falloir vraiment qu'on fasse attention. Il va falloir tout le temps bouger, tout le temps être en mouvement. Mais il y a R, les gars, c'est un BO7, c'est très long. C'est pas grave les gars, il n'y a pas de clean feed les amis pour le jour 5 et 6, j'ai vérifié tout à l'heure. Allez, Alpha qui vient bloquer, 1-0, 4 minutes encore. Ils n'ont pas été véritablement dangereux là, Carmina, ils ont juste réussi à trouver cette démolition. C'est bien fait le travail de Zen avec Alpha, la démo et malheureusement Radosin qui n'a pas envie d'y aller. Mais là il va se retrouver face à Atto, le double flip reset de la part d'Atto et Radosin qui tient bon sur ce double flip reset. Excellente défense, Zen il va falloir y aller aussi face à Ryze, il a réussi à passer. Voilà, c'est suivi de très près par Radosinho. Allez, on enchaîne avec les 50-50, ce ballon qui va partir le long du mur. Alpha, est-ce qu'il peut faire la différence? Il a été contré, Zen aussi, attention Radosin, la démo. Ah, c'est vraiment encore une fois leur stratégie, double démolition. Et ouais. Et ouais, 2-0 les amis, full démo. Ouais, c'est bien joué. Hein. C'est comme ça. Il va falloir trouver des solutions. Les gars, ça leur permet de mener 2-0. Ils vont pas s'en priver. Hein. 2-0 sur deux démos. Encore une démo. Non, cette fois-ci, c'est Alpha. Il va falloir faire pareil, les gars. Ça fait partie du jeu. Nous aussi, on a accès aux démolitions. On a qu'à les utiliser. Allez, Ryze qui se fait stopper par Zen. Alpha qui va pousser encore. La lecture peut-être de Radosin. Oui, ce ballon, il est peut-être intéressant à jouer. Il n'y a plus de boost du côté d'Atto. Et il nous manque de présence, malheureusement. Alpha qui récupère, mais dans le mid, il n'y a pas de joueur orange pour Vita. Alpha le turn qui contrôle ce ballon. Oui, c'est bien fait la différence. Il n'y a plus que Vatira. Va le démolir. Aïe, 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 on est un petit peu court, malheureusement. C'est dommage. On avait une situation de 2v1 à jouer. C'est pas terminé avec nous. Alpha qui va partir. Il a 12 de boost, malheureusement. Il va essayer de pousser cette balle. C'est récupéré par Vatira. Derrière, Yazen. L'accélération, peut-être. Le bump qui ne sera pas trouvé sur Atto. Radosin qui essaie de travailler dans le corner, de bloquer. On voit qu'il y a tous les joueurs de la Carmine qui sont là. Mais malheureusement pour nous, non, j'allais dire ça va repartir. Pas pour le moment. Peut-être ici avec cette tentative de Vatira. Regardez Ryze qui vient gêner. Il a été démoli. Atto qui va remettre dans l'axe. Il veut prendre son double tap reset ici, mais ça ne suffira pas. Allez les gars, on reconstruit. Zen, le 50-50. Ça va être pour Radosin qui va pouvoir reconstruire depuis l'arrière-garde. Il a de la ressource, Radosin. Il s'est fait un petit peu contrer. Zen qui va pouvoir clear. Toujours 2-0. Hein, le match qui s'est calmé, les amis. Il nous suffit d'un but hein, pour revenir. Il reste encore du temps. Zen, le contrôle, qui va faire la passe pour Radosin. Ça a été intercepté par Ryze. Vatira qui cherche une solution dans l'axe. Fort heureusement pour nous, c'est pas cadré. Et Zen qui va s'élancer le long du mur. Alpha qui laisse cette balle à Radosin. Non, finalement, c'est Alpha qui va partir. Oui, Alpha, il a fait la différence. Là, il a de l'espace. Là, il peut s'exprimer, Alpha. Et voilà, mon petit. Voilà, mon Yanis. Exprime-toi. Quand il n'y a pas de démolition. Voilà le talent. Quel move, Alpha. Quel move. Allez, on revient. 2-1. Et ça, c'est un vrai but de ta Rocket League. Tu ne parles pas de démo à moi. Radosin, c'est bien fait. Le flip reset peut-être de Radosin. Face à Atto, ça ne passera pas. On est en train de prendre en confiance tout doucement. Oui, il a pas sur le côté. Radosin qui sera un petit peu court. Zen peut-être face à Vatira, il s'est pas jeté. Et attention maintenant à pas se faire démolir. Alors on sait que Zen, il est très vif. Il arrive hein, à éviter les démolitions. Ça, c'est un très bon 50-50 de la part d'Alpha 54 qui va peut-être accélérer face à Ryze. Radosin, est-ce qu'il va aller sur ce ballon? Atto qui va toucher, qui va pouvoir repousser dans le corner. Contrôle de Zen, non, c'est une passe backboard. On se jette un petit peu. Ouh, c'était l'incompréhension dans la défense de la Carmine. Ils ont quand même réussi à défendre sur leur ligne. Ce ballon qui revient dans l'axe. Il faut être absolument avant Ryze. Il n'y a pas beaucoup de boost. Voilà, on vient le bloquer.
C'est Atto qui va pouvoir tenter sa chance. Il part dans les airs, hein, forcément, on le sait. Il est très très fort dans ce secteur de jeu. Mais tout de suite, on vient lui mettre la bonne pression avec ce dégagement. On essaie de connecter dans le milieu de terrain. Alpha qui s'était positionné pour le 50-50, mais c'est passé à côté du ballon. Attention, cette situation dangereuse. Voilà, ils se sont un petit peu marché dessus. C'est peut-être pas fini quand même pour la Carmine avec cette passe en retrait de la part d'Atto qui arrive sur Ryze. On arrive à bloquer, mais il reste 55 secondes de jeu, les amis. Toujours un but d'écart, toujours cet avantage pour la Carmine Corp. Et là, on n'est pas bien du tout. Oh, là, c'est but. Ah, ben le bump. Il l'a bloqué, frérot. C'est un blocage. On aurait dit les agriculteurs sur l'autoroute A9. Non, ça, c'est illégal. Frérot, il lui a mis un cadenas à la roue ou... Non, mais c'est trop... C'est dégueulasse. Ouais, le rebond plus Ryze qui s'est pris pour un agriculteur qui veut faire augmenter le prix de la revente de la carotte au kilo. Bon. C'est des choses qui arrivent. Bon, trois buts ignobles. Hein. Mais c'est des buts quand même. C'est des buts quand même. Ça fait 3-1 pour eux, ça va faire 1-0 dans le BO. Mais ça marche les amis, hein. Le jeu est affreux mais ça fonctionne, donc ils s'en foutent, hein. Ils ont bien raison. Imaginez si nous on jouait comme ça et qu'on gagnait, on dirait rien. On dirait bien ouais, c'est comme ça, on s'en fout. Hein. Le but du jeu c'est de mettre des points. Hein. C'est pas de faire le plus beau jeu, c'est pas du freestyle. Hein. Donc oui ça fait chier mais bon. Écoutez, c'est la première game. On s'est remis un peu là-dedans. On voit que... On voit que, bien évidemment, ils utilisent la même stratégie. Il va falloir trouver un petit peu les armes. C'est la game de Chauff. Il y a air. 1-0 pour la Carmine. On est reparti, les amis. 1-0 pour la Carmine. Il va falloir trouver une stratégie. Ok, on a eu très peur sur le kick-off, mais ça passe. Une stratégie pour contrer ce jeu en démolition. Qui, pour le moment, nous cause du tort. Ryze, la passe dans l'axe. Zen, voilà, qui a réussi à envoyer cette balle, mais c'est intercepté par Atto. Alpha 54, attention, c'est un petit peu raté sur le clear. Premier danger, premier signal d'alerte de notre côté. Mais pour le moment, ça ne flanche pas. Zen, le dégagement, 3 de boost. Alpha, la connexion, la frappe, Vatira qui va pouvoir l'avoir premier poteau. Et voilà, il faut aller chercher ces démolitions. Vous voyez, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à nous aller les chercher, ces démos. Ouais, Radozin, c'est bien, qui vient de mettre la pression. Alpha un petit peu loin, malheureusement. Il va falloir qu'on arrive à jouer plus haut si on veut les inquiéter. Passe dans l'axe, sinon ça ne trouve pas preneur une nouvelle fois. On l'a vu hein, tout à l'heure pendant l'analyse. Oui, les démolitions qui sont cherchées. Zen qui allait chercher une démolition. Voilà, nous aussi, on va jouer avec ça. Hein. C'est une arme qu'il faut utiliser. Tira, il faut le bloquer ici le long du premier poteau. Alpha qui continue le travail. Là, c'est Zen hein, qui va devoir y aller. Il a été bumpé. Il joue même pas la balle hein, sur les centres, c'est le bump en premier et après s'ils peuvent y mettre l'open, il faut vraiment penser à ça, hein. Il faut vraiment faire très attention. Et là on est un peu trop loin encore une fois, on a du mal à se projeter, à garder le rythme en fait hein, en face. Nous aussi il faut qu'on trouve des solutions avec les démolitions, pourquoi pas. Alpha dans les airs, première touche de balle intéressante, il va venir s'effacer au profit de Radozin. Il y a eu une démolition de Zen sur Atto, mais malheureusement derrière on ne peut pas capitaliser là-dessus. Attention à pas laisser trop d'espace. Bonne première touche d'Alpha. Derrière, il est passé par Vatira qui va remettre ce ballon dans l'axe pour ses coéquipiers. Ryze sera trop loin. C'est Zen qui peut récupérer ce ballon, qui l'envoie dans l'axe. Mais c'est un joueur bleu à la réception. Radozin encore sur le côté du terrain. Ouais, qui va continuer. Qui prend. Ah, il a pas eu le boost malheureusement. Ça, c'est dommage. Ça permet de relancer plus proprement. Alpha, Zen qui se jette un petit peu dans le corner. Radozin, 0 de boost. Mais il y va, bien évidemment. Il met de l'énergie pour essayer d'aller chercher ce ballon. Flip reset de Ryze. Où c'est un peu bizarre ce qui se passe. Mais on tient bon pour le moment. On n'a pas de ressources. Hein. La frappe lourde. Double commit ici. Attention quand même à ces erreurs qui peuvent coûter cher. Mais là, ça se comprend. On est un petit peu acculé sur la ligne. Voilà, Radozin qui va nous donner un peu d'air en renvoyant ce ballon complètement de l'autre côté du terrain. Et là, il faut pas laisser Vatira relancer tout seul plein mid parce qu'il prend un premier flip reset. Oh là là, attention, ça passe juste à côté. Alpha qui est tout seul. Il n'arrive pas à contrôler cette balle. En plus, le rebond est un petit peu bizarre. Ça a pinché. Allez, c'est ici. Radozin, 0 de boost. Il peut pas faire grand chose. Il peut pas contrôler cette balle. Il est obligé de la rendre. Là, on subit par contre, les amis. Ok, pas de panique. Radozin qui peut dégager. Voilà, Ryze, il va être obligé de jouer un petit peu vers l'arrière. Il arrive à connecter avec Vatira. On vient bloquer. Ça, c'est super. Et vous voyez, dans le mid, ils font un très bon travail. Hein, là. Il vient nous bloquer. Alpha sur le côté. Atto, le dégagement, attention le bump, Radozin il l'a vu venir, c'est pour ça qu'il va décoller instantanément. Mais du coup là il y a une nouvelle démolition, Alpha qui revient, toujours 0-0, mais on subit hein, les amis, ils sont clairement en train de dominer. Et là, attention, la parade sur la ligne de Radozin, c'est bien les gars, on tient. Ok, on passe un mauvais moment, mais on tient. C'est tout ce qui nous importe. Ryze qui met dans l'axe, oui Alpha qui est largement premier, et c'est là, allez Radozin. On vient chercher un bon ballon. Radozin qui part dans l'axe. Le 50, pourquoi pas. Oh, le rebond qui revient sur Ryze. Ça, c'est dommage. Ça manque un petit peu de réussite là-dessus.
Et du coup, il se reprojette instantanément dans ce milieu de terrain. Alpha, c'est dans l'axe. Radosinho qui est premier. Il n'y a pas de ressources. Il y a 46 de boost. La frappe sur le backboard. Va tirer. Oh, attention, Atto qui a deux doigts dans le goal. Oh, comment il a réussi à saisir ça? Oh, le retour légendaire d'Atto alors qu'il avait fait une énorme erreur. Et attention à ne pas se faire punir derrière. Zen qui peut pincher. On n'était pas loin d'ouvrir le score sur cette erreur. Il a fait un gros arrêt réflexe, Atto. Ouais, le ballon qui revient dans l'axe. On le bloque. Super, Radosin. Le 1v1 de Zen. Il va se faire démolir. Non, il a réussi à passer. Zen peut-être encore pour le 50-50 derrière. Il faut suivre. Malheureusement, c'est pas vraiment favorable pour nous. On a mis deux joueurs dans le vent. Il y a encore Rai sur le backboard. Est-ce qu'il faut... On peut le contrer. Alpha, peut-être la frappe de Radosin ici. Petit filet. Oh, Yarto qui arrive à trouver la save avec le pinch en plus. Oh, Zen. Le très bon contrôle. Il va continuer d'accélérer. La frappe de Zen. Et Yarto, une nouvelle fois, qui est sur sa ligne. Le match est en train de s'enflammer. Alpha qui a passé un premier joueur. Il va aller chercher des démolitions. Il l'a pas trouvé. Zen, la double tap dans l'angle interdit. La parade de Vatira. Ils arrivent à bien tenir sur leur ligne et le match est complètement fou hein, les amis, on le savait, on a deux excellentes équipes sur le terrain. Allez Alpha, attention ici, on est un peu passif, on va pas se faire punir sur ses erreurs. Alpha encore, le ballon dans l'axe, on n'a pas de ressources, on va devoir laisser Rice jouer. Heureusement il a tenté la frappe directe, on l'a vu venir. Alpha encore, le contrôle, il veut partir sur le côté du terrain et Atto qui a beaucoup d'espace, et ça, Atto avec beaucoup d'espace, on n'aime pas les amis. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il est très à l'aise dans les airs. Il fait une très très gros match, hein, côté Carminato. Il est présent partout. Il cause pas mal de problèmes. Rise 8 de boost. Tout de suite, faut l'agresser. Ce ballon dans les airs. Allez Alpha, la première touche est intéressante. Il peut peut-être aller chercher le 50-50. Finalement, c'est Zen qui va se précipiter sur cette balle. Première touche de balle, le contrôle. Zen qui va tout seul, ça se jette dans le corner. Allez Radosin, il faut prendre le meilleur. Super, c'est intéressant ce qu'il a fait. La passe en retrait peut-être pour Alpha 54. Le tir. Oh, la parade de Matira. Zen, c'est pas fini. Il va aller chercher la double tap. Le ballon qui rentre. Oh, non. La parade sur la ligne encore. Oh, c'est pas possible. Comment ça rentre pas? Ça se joue à quelques pixels. Attention aux démos, attention au kick-off. Quelle défense ils ont réussi à faire encore. Le match est complètement fou. Oh, attention à ça. Ok, ça va. Vatira qui avait plus de boot, il peut pas cadrer sa frappe. Oh, Rise, il est bien parti là. Attention, double commit. Ok, le bump, on a réussi à le contrer. Allez, il nous faut de la présence, les amis. Aïe, 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 aïe. Ouais, ils ont réussi à défendre sur la ligne d'extremis. Radosin qui va remettre dans l'axe. Est-ce qu'on a du monde? Zen était parti, mais pour le moment, ce ballon qui est coupé. Alpha 54 qui veut y aller tout seul, il est contré. Ça manque de présence dans le milieu de terrain, on laisse un petit peu trop jouer malheureusement encore. On a du mal à être bien présent. Oh attention, cette touche de balle bizarre, ça va Radosin qui va prendre son temps, il nous faut ce boost. Il va pas le prendre malheureusement, c'est Rise, hein. Il préfère garder le contrôle du ballon. Ce qui se comprend tout à fait. Zen qui attend sur le backboard patiemment, il a été bumpé mais il a repoussé la balle, c'est le premier objectif. Atto qui repart dans le corner et Alpha, voilà le très bon dégagement. Allez, prends-moi ce mid boost et tout de suite, ouais, gros dégagement, ils font des bons power clear. Ok, attention, Radosin, normalement il peut se saisir du ballon. Aïe aïe aïe, Alpha, ouais, qui a kebab. Alors, je pense que c'est un kebab tactique, hein. Très honnêtement, il a vu qu'il allait être en retard. Du coup, il a backflip pour rester sur la ligne, c'est très bien joué. Allez, Zen, il a vu la solution avec Radosin sur le côté du terrain. Radosin, là, l'angle interdit et Atto qui va l'empêcher hein, d'aller chercher cette lecture en contrôlant le ballon directement sur le corner. Zen qui bloque une première fois. Allez, parlez-vous, on fait pas d'erreur bête. Radosin sur le côté. Radosin, il pourra pas, il a pas la ressource. Zen s'est fait battre et Alpha, il est dans la sauce. Allez, touche-moi cette balle. Non, c'est pas possible. 2 à 0 pour la Carmine. Aïe aïe aïe, l'overtime qui ne nous sourit pas les amis. Eh ouais, ce ballon là, ici on l'a laissé faire. Et Alpha, oh, elle est horrible la balle. Ah dommage, ah, ce but à la toute dernière seconde. On fait attention aux démos. On essaie de suivre dans le milieu de terrain. Et on y va les gars, on y va. Ok, non c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on fait au kick-off? Hein? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette strat? C'est quoi cette strat de fou qu'on vient de faire? J'ai pas compris les frères. Double fake! Double fake! Ils ont cru quoi? Qu'il allait pas toucher la balle en face? J'ai pas compris là. Bon, ça arrive. Miscom les frères. Tranquille, on se met pas dans les meilleures dispositions mais... Attention les démolitions, c'est bien dodge de la part d'Alpha. Allez Zen, rattrape-nous ça tout de suite. La frappe pour le moment, il a zéro de boost. Radosin qui ne peut rien faire et Alpha qui va devoir clear. Oh, c'est compliqué, on est passé à côté. Il y a deux joueurs hein, de leur côté, le bump encore et ça fait 2 à 0. On s'est pas mis dans des bonnes dispositions là. On s'est pas mis dans des bonnes dispositions du tout. On se fait outfield. Le bump qui est cherché de la part de Vatira. Ils sont forts hein, sur les bumps. Hein. Allez, c'est pas grave. Allez, allez. Les gars, il reste 4 minutes 37. Le start est pas bon. Mais ça arrive.
Allez, Radosin, voilà, super, qui a passé un joueur. Atto derrière, qui a de la ressource. Alpha qui vient chercher le bump. Radosin, qui a récupéré aussi un full boost. Peut pas aller chercher, malheureusement, la passe. Alpha qui vient bloquer cette première tentative. Il y a Ryze qui va tenter sa chance aussi avec une double tap. On s'est jeté à deux. Allez, les gars, on perd pas confiance. On pose le jeu, on panique pas. Zen qui est parti. Il a un setup intéressant. Il vient chercher la démolition. Et Vatira qui a réussi à dodge. Atto qui vient chercher le bump une nouvelle fois. Ça nous fait vraiment du mal, hein, ces démos. Ça nous fait vraiment. Non, ça fait trop de mal. Ah là, ils sont en train de nous démolir. Ouais. On n'est pas dedans, les gars. On n'est pas dedans sur ce match. En fait, on se fait démo. Du coup, on n'est pas bien en place. Et devant, on jette la balle. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est pas terminé. C'est très loin, Major Rocket League. Vous savez, des fois, il suffit d'un déclic, d'aller chercher un but, de reprendre confiance. Et ça peut repartir. Bah ouais, mais la chatte aussi, là, frère, c'est trop. C'est quoi, ça? En plus de ça, frérot, on n'a pas de réussite. C'est-à-dire que, déjà qu'on n'est pas bien dans le jeu, en plus de ça, ça rentre. C'est trop grave, ils sont bénis des dieux. Bon, et bah, si on réagit pas tout de suite... Non mais c'est trop grave par contre d'avoir une réussite comme ça. Bon, c'est pas le problème du match, hein. Clairement on perd pas là-dessus, mais... Oh là là. Oh, c'est effrayant, ouais. Troll les bumps, c'est effrayant. Bon bah, la game est à jeter, les amis, hein. Ça sera River Sweep pour rien. C'est la Potato League, là. C'est la Potato League. Bon bah, River Sweep, les frères. Là maintenant, l'objectif de cette game, ça va être tout simplement bah, d'essayer de retrouver la confiance, parce que là on l'a perdu. Ouais, c'est pas possible les kick-off par contre. Là c'est trop facile pour la Carmine. Regardez Vatira, il a passé le T, c'est dehors, là y'a rien à dire, ils sont au-dessus les frères. Là, on n'est pas dans le match. Mais bon, après 5-0, on l'a droppé aussi celui-là. On l'a droppé celui-là. Mentalement, on l'a droppé. On l'a droppé ce match dès le début. Va falloir se reconcentrer. Maintenant, c'est River Sweep pour rien. Faut pas tilter surtout, c'est ça qui est important. C'est jamais fini. C'est jamais fini. La Carmine, il y a deux semaines, contre BDS, ils ont pas réussi à jouer pendant trois manches. Et puis d'un coup, ils ont River Sweep. Alors qu'ils se faisaient oblitérer aussi. Hein. Vraiment, ils se faisaient dominer. Pareil, ils se trouvaient pas en défense, ils n'arrivaient pas connectés. Puis derrière, ils ont River Sweep. Faudra juste avoir le mental. Mais ça, là, elle est droppée. Voilà, regardez celle-là, mais là, on connaît quasiment... Allez, si on peut aller chercher un bump ici. Allez, les gars! Voilà, on a quand même un but. C'est ça qu'on va chercher. La confiance, le capital confiance. Un bon flip reset de Rado, c'est bien joué. Un bump. Voilà, le chemin est encore très très long. 5 buts en 2,47, ça semble quasiment impossible. Mais on prend le but pour la confiance. Allez, les petits, on croit en vous. C'est pas grave. Ce match-là, ce n'est pas à l'image de tout ce qu'on a vu depuis le début. Là maintenant, l'objectif, les gars, c'est juste d'aller chercher un peu de confiance. Parce que là, c'est ce qu'on manque, de la confiance. De retrouver un petit peu de calme, de retrouver un petit peu de sérénité. On sait jouer, ils ont des qualités. Et vous voyez, on n'y est pas dans le mid. Hein. Manque de présence là, ils se baladent. Regardez, ils se baladent. Faut qu'on démo, faut qu'on contrôle la balle, faut qu'on arrête de jeter le ballon. Et ils savent le faire en plus, ils savent le faire. Ils nous l'ont déjà montré des milliers de fois. Allez, la passe ici. Avec Alpha, dommage c'est bloqué. Il y a Radosin derrière qui va y aller. La passe sur le côté, voilà, c'était bien tenté. C'est défendu, mais ça y est. C'est ça qu'on veut. Là, il y avait une idée derrière ce move. Là, il y en avait un peu moins sur celle-là. Allez, Zen, c'est bien fait. Alpha qui va suivre instantanément. Zen qui va chercher la démolition. Voilà! Voilà, les gars! Allez! Ça, c'est très bien joué! Atto qui est tout seul, on lui dit va dans tes cages! Hop! Alpha qui tire en dessous. On joue en équipe. Allez, super, les gars. On reprend la confiance. Là, le but, c'est de regain.
pour aller chercher le river sweep derrière. C'est pas grave, on se met au pied du mur, mais on a toujours la possibilité de revenir. Allez les frérots, on croit en vous, on croit en vous. On le sait que vous êtes des cracks. Ça arrive de passer à côté d'une game. Ouais, dommage. Allez, on a un peu de réussite en plus. Bon, c'est dommage, on a de la réussite quand t'as 6-2, nous. Y'a pas de la réussite à 0-0, on a de la réussite à 6-2, frère. On en peut plus. Allez, la démolition. Zen qui va essayer d'accélérer, qui fait les différences. C'est arrêté premier poteau, vous l'avez vu, par Vatira. Ils ont fait un petit double commit, la Carmine. Est-ce qu'on peut punir Radozin qui va repartir. Le petit drop pour Zen, il va tout seul, il bloque cette balle face à Ryze. Ah, Ryze, il arrive à 2000 ici, il va la lever. Ok, c'est Zen qui peut repartir dans les airs. 42 secondes les amis, cette game ça va être malheureusement trop compliqué. Mais en tout cas, on a montré un meilleur visage sur la fin. C'est ce qu'il fallait. Parce que croyez-moi, la Carmine, ils n'ont pas arrêté de jouer pour autant. Hein. Je peux vous dire que dans le mental là, frérot, si tu peux en mettre 12 à Vita, tu en mets 12. Hein. Regardez, hein, ils vont aller le mettre. Hein. Ils jouent toujours. Hein. Donc c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. River sweep pour rien. River sweep pour rien, les gars. Ce gène là. Après, c'est normal. Hein. Le match est perdu, on tente des choses, on accélère, on prend des risques. Allez, c'est là qu'il faut qu'ils montent le mental de champion. Allez, les petits, on croit en vous, les petits. ...3-0. C'est maintenant. Allez, étape par étape, manche par manche. Si on doit le faire, il faut prendre les choses au fur et à mesure. Et allez, le kick-off. On arrive à récupérer l'avantage. Au moins au kick-off. Alpha qui récupère ce ballon, c'est bien, ça a trompé un petit peu la défense. Vatira sur le backboard qui écarte. Atto, loin devant. Mezen qui est venu intercepter cette balle. Ryze qui veut remettre sur le côté. Radozin qui va prendre le contrôle du boost. Attention à la démolition, il l'a vu venir. Il va se retourner. Radozin, c'est bien. Le bon travail avec la démo derrière. Il a tenté le pinch, Alpha, c'est pas passé. C'est Zen qui va essayer d'enchaîner. Là, c'est bien ce qu'on est en train de faire. La démo, Radozin, pourquoi pas. La frappe et Zen qui est allé chercher le bum sur Vatira, il l'a pas trouvé. Mais en tout cas, on est en train de montrer un beau visage. Alpha, le flip reset, une première fois. Le bump, allez, il faut suivre derrière. Il faut monter. Il faut leur mettre de la pression, les gars. Il y a 4 manches à aller chercher maintenant. Première démolition ici. Et voyez tout de suite comme ça libère des espaces, hein, les démolitions. Radozin qui peut y aller dans les airs. Est-ce qu'il peut faire la différence? Radozin, il a pris le flip reset. Radozin qui va continuer. La balle dans le corner. Zen qui va se tourner. Il va partir le long du mur. Il a fait la différence sur un premier joueur. Derrière, c'est compliqué face à Vatira, mais il peut compter sur son coéquipier Alpha 54 qui va essayer d'accélérer dans le corner. Il est bloqué par Atto. Et là maintenant, on fait attention. On se replace. Les démolitions où ça revient. Le 50-50 qui est bien joué. Ah ouais, c'est très bien joué. Magnifique. Le 50 qui part direct là. C'est ça qui nous fait mal là sur l'action là. Paf! Ça part sur Ryze, non, c'est bien joué. Il peut rien faire là. Zen, il peut rien faire. Magnifique. Allez, 1-0, c'est pas grave. On avait montré un beau visage. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ok, la balle qui part sur le côté. Il y a des strats qui coffent dans tous les sens, c'est une folie. Démolition. Zen qui peut récupérer pour Rado qui va repartir dans l'axe. Ok, c'est bien fait. Alpha, la double tap. Il va falloir aller chercher des plays individuels, mécaniquement. Zen qui s'est fait outspeed va attirer et Radozin qui peut rien faire, je crois. Oui, le marabout qui est avec nous, qui nous permet de rester en vie. La transversale sortante qui fait du bien. Allez, Zen, l'accélération, on fait la différence sur le côté. Malheureusement, il peut pas passer. Les bumps, on n'arrive pas à les trouver, ces bumps. C'est ça qui est dommage. Il n'y a pas de démolition. On essaye, mais à chaque fois, on ne trouve pas. Vatira qui part sur le côté. Atto, Zen qui remet. Malheureusement, il peut pas faire beaucoup plus. On va se retrouver en défense. Ça dégage, loin devant. Alpha 54 qui lui aussi est bloqué et cette balle dans le mid, Zen il va la laisser à Radozin qui part dans les airs, plein axe, attention à la démolition, en derrière il n'y a plus beaucoup de monde pour défendre, Radozin qui prend le 50-50, Alpha qui est loin malheureusement, ça va être une double tap du côté de Ryze qui cherche des solutions dans l'axe mais il n'en trouve pas pour le moment, Zen démoli, Atto qui contrôle sur le backboard, faut aller lui mettre la pression là, tout de suite voilà, montre-lui, on arrête de regarder maintenant, voilà c'est ça, montez, montez sur le terrain, montez. C'est bon!
Allez, un partout. Allez, les petits. Faut qu'on joue plus haut sur le terrain. On joue avec la peur, là. Allez, Radosin. Dommage, il pouvait pas, il avait pas la ressource. Alpha cherche la transition avec Zen. Malheureusement, cette passe, elle était pas assez précise. Radosin dans les airs. Démolition de Zen sur Atto. Alpha qui, ouais, malheureusement, ne peut pas faire beaucoup de choses dans cette position. Radosin aussi qui essaie de connecter avec Alpha. La première touche, elle est intéressante. Alpha, est-ce qu'il peut accélérer? Il va essayer de passer en dessous. Finalement, ça revient sur Radosin. Ouais, 50-50 qui est prise, Anil est tout seul. Attention, ça va encore jouer le jeu en passe. Et ouais, ça joue. En fait, le problème, c'est le milieu de terrain. Ah, c'est magnifique, hein. Encore une fois, ils ont fait un très beau move. Le problème, c'est là, le contrôle de Radosin qui est trop lointain. Et Zen, il est tout seul face à 3 joueurs. Frérot, t'es massa. On dirait une vidéo 1v3. Il est tout seul. Il est tout seul. Ça fait 2-1, la Carmine qui repasse devant. Ah, c'est pas fini, il reste 2 minutes 20, les gars. Radosin, la transition. Avec Alpha qui passe juste à côté, hein. Je crois que c'est Alpha. Zen qui va se projeter dans les airs, il se fait passer. Attention à la frappe directe, Vatira, le bump. Ah, ils sont super forts en bump. Et là, Radosin qui ne peut rien faire, non. On ne peut rien faire, les amis, malheureusement. Là, c'est... Ça joue bien, ça joue plus vite, ça joue mieux que nous, faut le dire. Même si c'est pas fini, reste 2 minutes, on peut encore aller chercher quelque chose. Mais ils ont un style de jeu qui nous annule complètement. Allez les gars, 2 minutes. Ouais, Ryze qui me stie, voilà, c'est fini. Là c'est du free play là. Là ils sont trop en confiance. Ils sont trop en confiance. Ils ont les kick-off, ils ont les 50, ils ont les démos. Ah c'est... Là malheureusement c'est trop compliqué. Va falloir marquer rapidement, hein. Sinon ça va être compliqué. Ouais, Radosin, c'est pas mal. Autant hier, il y avait match. Ça s'est joué à des détails. Autant là, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Une minute 30. Si on marque pas maintenant, ça va être très compliqué, les frérots. Et on n'est pas très dangereux, malheureusement. Ah, 1 minute 23 buts. On n'attaque pas. On est complètement bloqué dans notre camp. 5-1. Ouais, c'est terminé. C'est finito, les amis. C'est finito. Ah, ils sont au-dessus. Il faut le dire. Y a rien à dire. Ils sont meilleurs que nous là sur le terrain. Voilà, voilà, il laisse tomber là, c'est fini. La game elle est drop depuis 3-1, ça se voit dans le style de jeu. Non, mais les kick-off par contre, il faut qu'on fasse quelque chose, hein. Vraiment, on se prend tellement de kick-off Goldstrat. Bah les amis, voilà, il y a une équipe meilleure que nous sur le terrain aujourd'hui, hein. C'est ça le sport aussi. On peut pas toujours être les meilleurs. Voilà, il faut savoir être fair play. Ils ont très bien joué la Carmine, il n'y a rien à dire. Ils ont été meilleurs dans tous les secteurs de jeu, il faut savoir le reconnaître. La saison est longue. Il y en aura d'autres, des matchs. Il faut savoir s'avouer vaincu aussi. Ça fait partie de la compétition. Voilà, il n'y a rien à dire sur des matchs comme ça. Des fois, on peut rager, on peut être frustré. Ça se joue à des détails, mais là, on a rencontré une équipe qui a été bien meilleure que nous. Voilà, c'est la vérité. Dommage. Voilà, là, le truc, c'est que bon, effectivement, le fait de perdre en quart, c'est pas très bon classement. Il restera un dernier Open Qualifier. Il y a 2 semaines pour travailler. Non, mais bravo, bravo Carmine. Voilà, faut le dire, les amis. Hein. Vous savez, c'est pas grave. Hein. C'est le sport, c'est la compétition. Aujourd'hui, ils ont été meilleurs que nous. On peut pas dire le contraire. Donc, bravo à eux. D'ailleurs. Alors peut-être 24 secondes. Non, 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 franchement les amis, en tout cas, je compte sur vous pour envoyer de la force aux joueurs. Croyez-moi, ça doit pas être simple. Ça doit pas être simple, ils ont pas réussi à jouer aujourd'hui. Un 4-0 sévère comme ça, c'est pas grave, ça arrive, hein, de perdre des matchs. La saison elle est longue, ils rebondiront.
Mais là, ce qu'ils vont avoir besoin, surtout de votre côté, les amis, bah, c'est de votre soutien. Et de pas commencer à dire « Oui, mais il a perdu, mais t'as les conditions pour du monde. » Les gars. Voilà, ce match, bien évidemment, qu'il est à oublier. Il y a des leçons à en tirer. Mais des équipes qui se sont retrouvées dans la sauce, qui ont rebondi, il y en a eu aussi. On est toujours en course pour le Major. Ils vont travailler, c'est des bosseurs. Ça va réveiller leur ego de compétiteur aussi. Bravo, Carbine !